Les mitzvot, des lentilles de prison. Bichout Murray Varabotai, avec la permission d'Hachem, j'espère que vous tous vous allez bien. Nous sommes dans les parachutes de notre libération de l'Égypte, avec les doigts qu'Akash Baruch Hu fasse que nous aussi aujourd'hui on sera libérés par Hachem. Comme la Hachamim dit, que les mêmes miracles qu'Akash Baruch Hu il a fait à l'époque, lorsque les Israélites étaient en Égypte, comme ça Akash Baruch Hu il va faire avec nous. Dans la paracha de Vehera, c'est écrit que Hachem s'est un peu énervé sur Moshe Rabbeinu. Pourquoi? Parce qu'Akash Baruch Hu il a dit à Moshe Rabbeinu, donc Hachem il a dit à Moshe Rabbeinu d'aller libérer les bénis d'Israël. Moshe Rabbeinu au départ il ne voulait pas, parce que il s'est dit, qui suis-je pour aller libérer les bénis d'Israël? Je suis rien du tout, il y a mon frère, mon grand frère, et qui suis-je d'être le roi des Juifs, et qui suis-je moi? Et, vous savez, pendant 7 jours, Hachem il supplie Moshe, il supplie, il le supplie. Regardez la grandeur de Moshe Rabbeinu. Vraiment, Moshe Rabbeinu il sait que et la mission que Hachem lui donne, elle va lui donner, elle va le rendre Moshe Rabbeinu, elle va lui donner un titre à vie. Il savait, il voulait pas, il savait, mais qui, dites-moi, qui va refuser des droits, qui, gratuitement, sans élection, sans rien du tout, qui va refuser qu'on lui donne les plus grands honneurs pour toutes les générations? Qui va refuser? Eh bien, Moshe Rabbeinu l'a refusé. Il ne voulait pas. Pourquoi? Parce que Moshe Rabbeinu, alav shalom, il se sentait, comme c'est écrit dans la Torah, Be'ered Elehab. Il est parti chez ses frères. Ça veut dire, nos sages disent, il avait tellement de la peine de voir ses frères esclaves. Lui-même, il pleurait avec eux. Il les aidait, il travaillait avec eux. Lui, c'était comme un... Il voulait faire partie du peuple. Il ne voulait pas être parmi les grands du peuple. Il ne voulait pas, et surtout pas le grand des grands. Il voulait être le petit, c'est tout. Mais Ish Moshe Anna, Moshe était humble. Et justement, parce que Moshe Rabbeinu était ce qu'il était, c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu il l'a choisi. Mais alors maintenant, une fois que Moshe Rabbeinu il a accepté finalement d'aller au nom d'Hachem pour libérer les bénis d'Israël, c'est là que Moshe Rabbeinu il a eu la peine, parce que il voit que de plus, Moshe Rabbeinu, il va chez Paro pour dire à Paro, c'est Hachem qui m'a envoyé pour que tu libères les bénis d'Israël. Et Paro, qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à faire souffrir les Juifs encore plus. Et là, vraiment, il leur a fait tellement beaucoup de mal. C'est comme Moshe Rabbeinu, à la vache, il vient chez Hachem et dit, Hachem, la mare haute, pourquoi tu as fait ce mal aux Juifs? Pourquoi tu leur as fait ça? Pourquoi les pauvres? Et en plus, depuis que tu m'as envoyé pour parler chez Paro, pour qu'ils libèrent les bénis d'Israël, et Paro devient très dur avec eux. Pourquoi Hachem tu fais ça? Pourquoi? Alors Akadosh Baruch Hu il s'est un peu énervé sur lui. Il lui dit, Moshe, dommage. C'est très dommage pour que Abraham, Isaac et Jacob n'existent pas. Moi je croyais que tu allais être comme eux. Que Abraham, Isaac et Jacob, jamais m'ont dit pourquoi. Même les choses qui étaient impensables à penser. Comme par exemple, je dis à Abraham, tu vas avoir un enfant, et de cet enfant, tu vas bâtir le peuple juif, je vais bâtir le peuple juif, et après, je lui dis, prends ton fils, sacrifie-le. Il ne m'a même pas dit, ah, pourquoi tu m'as donné Isaac? Ah, pourquoi tu m'as dit que de Isaac, je vais bâtir ta génération et ta descendance? Pourquoi? Même ça, il n'a pas dit. Abraham Abin Arva Shalom, chaque fois il disait, bon, Hachem il a pensé 2 mois ceci et cela, et après il a décidé autrement. Eh bien,
Plus son nom soit béni. Alors il y a Avraham, et Akadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu, dommage. Et en plus, non seulement que tes parents, Avraham, Isaac et Jacob, jamais ils se sont plaints, jamais ils m'ont rien dit, mais lorsque je me suis dévoilé à eux, je me suis dévoilé à eux avec un nom qu'il est moins important que le nom dont moi je me dévoile à toi. Ça veut dire que je disais, c'est comme j'aurais donné moins d'importance que l'importance que je suis en train de te donner. Et toi, Moshe, tu te plains. Toi, tu oses me dire la main. Pourquoi? Toi, Moshe, tu me dis pourquoi? Pourquoi je fais ça au Béni Israël? Toi, tu oses me dire ça? Alors, bon, Akadosh Baruch Hu, il n'a pas puni Moshe pour ça, mais quand même, il le gronde. Il lui dit, c'est pas bien ce que tu es en train de faire. Tes parents, Abraham, Isaac et Jacob, jamais ils se sont plaints. Même que je me suis dévoilé à eux avec un nom moins important que le nom important avec lequel je me dévoile à toi, ils m'ont jamais dit pourquoi. Alors qu'eux, ils avaient un titre que je vous pouvais me dévoiler à eux avec le plus grand nom des noms. Et malgré tout, ils ont toujours accepté. Ils n'ont jamais dit pourquoi. Donc, mes amis, maintenant, il y a des questions qu'on va essayer de poser. Primo, pourquoi Akadosh Baruch Hu, il gronde Moshe? Parce qu'il lui a dit pourquoi tu fais souffrir les bénis d'Israël. Bon, Moshe Rabbeinu, le pauvre, il avait de la peine. Qu'est-ce que vous voulez? C'est logique. Moshe Rabbeinu, au départ, il ne voulait pas y aller. Il ne voulait pas aller pour être le libérateur des Juifs. Parce qu'il se sentait qu'il n'est pas méritant. À la fin, il a accepté. Bon, une fois qu'il a accepté, il va, alors, Moshe Rabbeinu, il a cru que la mission, elle va être un peu facile. Il voit que la mission est très difficile. Alors, en plus, plus difficile qu'avant. Alors, il se dit, peut-être je ne suis pas méritant. Et en plus, pourquoi Hachem tu fais ça? Alors, peut-être c'est ce que je t'avais dit, Hachem. Je ne veux pas être le libérateur, parce que je ne me sentais pas capable. Et peut-être c'est parce que je ne suis pas capable, je n'ai pas assez de mérite que parole est méchant. Alors Hachem, pourquoi tu as fait ça? Alors, Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il dit à Moshe Rabbeinu? Il dit à Moshe Rabbeinu, tu sais que tes parents, ils m'ont jamais reproché rien du tout. Et même lorsque je me suis dévoilé à eux avec un nom moins important que le nom avec lequel je me dévoile à toi, ils ne se sont pas posé de questions. Alors, la question que je me pose, pourquoi? Pourquoi que je ne sais pas dévoilé à nos parents, Avraham, Isaac et Jacob, avec des noms très importants. Mais la chose la plus importante, comment Moshe Rabbeinu ose parler comme ça à Hachem? C'est pas possible. Rabotai, pour répondre à tout ça, on est obligé de faire une petite introduction. Il faut savoir très bien que Yosef HaTzadik, on essaie tous l'histoire de Yosef HaTzadik. Jamais Yosef HaTzadik, il a reproché à Dieu pourquoi il a été vendu, pourquoi il a souffert. Jamais. Yosef HaTzadik, il aurait pu se sauver. De là où il était esclave. Il aurait pu envoyer une délégation, une fois qu'il est devenu roi, à son père pour lui dire, papa, je suis vivant, je suis le roi. Yosef HaTzadik, il reçoit tout avec joie. D'ailleurs, tellement qu'il était tzadik que même ses frères, ils n'ont pas eu peur qu'un jour Yosef il va se sauver de là où il est et venir chez le papa et dire à papa, à Yaakov, que c'est tes enfants qui m'ont vendu. Les Shevatim, ses frères, ils savaient que le frère Yosef était tellement tzadik, et lorsqu'ils lui ont dit, on t'a vendu, on ne te veut plus chez nous, il a accepté. Et pourtant, il aurait pu faire une explosion au sein de la famille, en se sauvant, et elle dirait à papa, Yaakov, voilà ce que tes enfants m'ont fait. Yosef, il n'a pas fait ça.
Yosef, il reçoit tout avec joie. Yosef, il voit le contraire, que ses frères lui font confiance. Lorsqu'ils l'ont vendu, ils lui ont dit, voilà, on te fait confiance, ne viens plus chez nous. Et surtout, tu n'en vois pas une délégation, c'est un jour terrible, ils vont se réaliser comme tu as rêvé. Voilà. Entre parenthèses, en rigolant, ils lui ont dit ça. On ne veut pas de toi chez nous. Youssef, il accepte tout avec joie. Il dit rien du tout. Youssef, c'était vrai. C'est pour ça qu'on l'appelle Youssef Hatzadik depuis le départ. Youssef, il n'accuse pas ses frères. Youssef, il se dit peut-être mes frères, ce qu'ils sont en train de faire, qu'ils m'ont vendu, peut-être c'est ça la volonté d'Hachem. Parce que mes frères, c'est Tzadikim. Shiftiya et Dotisa, c'est pas possible que eux, ils vont me vendre comme ça. Youssef, il ne fait pas d'effort pour envoyer à son père, je suis là, je suis vivant, je suis roi, je suis esclave, j'existe, rien du tout. Youssef Hatzadik, il a fait des rêves. Dans le rêve, il rêve qu'il est roi. Il rêve pas qu'il allait souffrir. Simplement, il rêve qu'il allait être un roi. Il aurait pu dire, ah, une fois que Youssef a commencé à souffrir, il aurait pu dire, ah, les rêves que j'ai rêvés, c'est bidon. J'ai rêvé que j'allais droit, c'est bidon. Regarde, je suis esclave. Youssef, il ne dit rien du tout. Il accepte tout. Youssef, Hatzadik, jamais il s'est posé de questions. Et même vers la fin de ses jours, lorsque ses frères lui ont dit pardon pour tout le mal qu'on t'a fait, il leur dit, mais c'est pas, vous ne m'avez rien fait. C'est Hachem qui a voulu que tout ça, ça soit fait. Qu'est-ce que vous m'avez fait? Rien du tout. Il les a consolés. Rabotai, mes amis, vous savez, mes amis, que dans la vie, beaucoup des fois, on a des messages de HaKadosh Baruch Hu, mais il faut bien les comprendre. Il faut être très croyant pour comprendre le message d'Hachem. Youssef HaTzadik, il était bien chez lui. Il avait 17 ans. Il était gâté, beau gosse. Son père l'aimait. Il ne manquait rien du tout. Et il était aussi tzaddik qu'il pouvait comprendre, réussir à comprendre. Et ça avait été bon à l'égard d'Hachem. Vous savez, Hachem décide quelque chose, eh bien, la chose d'Hachem va se réaliser. Alors, si Hachem décide quelque chose, pourquoi moi je vais aller contre la décision d'Hachem? C'est comme ça que Youssef voyait les choses, c'est pour ça que Youssef n'a fait aucun effort pour se sauver, pour accuser ses frères ou accuser quiconque. Dans sa tête, il n'y a personne accusé, il n'y a que Hachem, c'est Hachem's décision. Maintenant, mes amis, on va essayer de comprendre Youssef HaTzadik. On voit aussi que Youssef HaTzadik, il a appris de ses parents. Ses parents, c'est Abraham, Isaac et Jacob, jamais, avec toutes les souffrances et les épreuves qu'ils ont passées, jamais ils se sont posés des questions. Pour chaque épreuve, ils ont vu la main d'Hachem. Ils ont dit, c'est la volonté d'Hachem. On l'accepte aujourd'hui, malheureusement, non. On a un petit problème, on dit pourquoi. Toujours, on se pose la question pourquoi. Parfois, on veut des réponses, mais parfois aussi, ça peut être méchant de chercher de trouver des réponses parce que sur certaines choses qui peuvent nous arriver, il n'y a pas de réponse. Alors, trop se mouiller en cherchant pourquoi. Ça peut être catastrophique. Ça peut avoir des effets secondaires au niveau de la foi. On peut même perdre la foi. Par exemple, j'étais content aujourd'hui de recevoir une femme qui m'a raconté que grâce à Dieu, ses enfants, c'est une femme qu'elle a fait échouer avec moi à Los Angeles. Et grâce à Dieu, elle a vraiment fait échouer elle et son mari. Baruch Hashem.
Et il y a 25 ans à peu près, ils étaient des gens milliardaires. Et entre temps, la pauvre, elle a perdu son mari. La pauvre, cette femme, elle a tout perdu, tout son argent, tout ce que son mari lui a laissé. La famille lui a volé, malheureusement. Et qu'est-ce qu'elle me dit? Elle me dit, Baruch Hashem, j'ai des enfants qui sont dans la Torah. Elle me dit, ils s'occupent, ils sont plus dans la Torah que dans l'argent. Nous, Baruch Hashem, aussi, on avait beaucoup, on a tout perdu. Mais on est heureux qu'on est dans la Torah. Et elle est venue me dire, merci Rabbi David, vous êtes le Yosem, vous êtes celui qui nous a aidé à faire des chevaux. Et alors je lui ai dit, je me rappelle, je venais chez vous à la maison de Los Angeles, vous avez une maison qui est tournée toute seule. Et ils avaient une belle maison. À l'époque, tout le monde rêvait d'avoir cette maison, c'était sur une montagne, et cette maison était, avec des machines, elle tournait toute seule. Alors vous voyez que quand vous voyez la mer, les montagnes, les volcans, la maison est toute seule. C'était une maison spectaculaire. Et me dit Rabbi David, je me rappelle le premier coup que vous avez donné là-bas. Et depuis ce coup-là, on a commencé à croire, moi et mon mari, que l'argent c'est du bidon. Et grâce à Dieu, cette première photo que vous m'avez donnée, avec une bracha, il y a 25 ans, je l'ai toujours. Et je me promène avec. Mais tant que j'ai plus rien, j'ai la Torah. Et je dis pas à Hachem pourquoi. J'accepte. Eh oui. C'est extraordinaire. Ça, c'est la vérité Shuvah. Accepter. Maintenant, on va essayer de comprendre certaines choses. Maintenant, on va commencer à comprendre. Moshe Rabbeinu, alav shalom, il voit ses frères souffrir. Il sait que tout vient d'Hachem. Il fallait souffrir. Il fallait que les bénis Israël, ils apprennent à souffrir. Parce qu'être juif, c'est pas facile. Vous savez que pour faire fondre, pour avoir une bague en or, vous savez ce qui se passe avec cette bague-là. Au départ, il faut aller au désert, dans le désert, chercher les mines d'or. Après, on va trouver de l'or, on va le laver. Après, c'est de l'or qu'il faut le faire laver. Et après, il faut le faire fondre. Et après, tu fais une bague. Quand je crois qu'il a voulu que les ministres ils s'entraînent en Égypte. Savoir accepter le joug d'Hachem. Même un enfant, pour qu'il naît, ça prend 9 mois de naissance. C'est pas facile, et pour la femme et pour le bébé. Quand je vois au coup, il a envoyé Moshe Rabbeinu pour libérer l'Israël. Moshe Rabbeinu, maintenant le libérateur, il est là. Moshe Rabbeinu, il a cru que ça y est, maintenant qu'il est là, ça suffit. Les Juifs, ils ont assez souffert, 400 ans de souffrance, il faut qu'ils quittent. Donc lorsque Moshe Rabbeinu, il voit que l'Israël, que Paro, depuis qu'il voit Moshe Rabbeinu, qui vient pour le libérer, Paro, il les fait souffrir plus. Moshe Rabbeinu n'a pas accepté ça. Parce que pour Moshe Rabbeinu, ça suffit. Il faut qu'il quitte l'Égypte. C'est ce qu'il a dit. Il dit Hachem. C'est pour ça, le pauvre Moshe Rabbeinu, il dit Hachem, moi j'ai cru que j'ai accepté à être le temps à tes services pour libérer Ben Israël, les libérer. Mais là, je vois que j'arrive pas à libérer. Là, il souffre plus. Hachem, c'est pas assez 400 ans d'esclavage. Il faut. En plus, il fait souffrir plus qu'avant. Pour Moshe Rabbeinu, il voulait tchik-tchak, une libération rapide. C'est pour ça que Moshe Rabbeinu, pour lui, ils ont assez souffert, ça suffit. Donc, quelque part, Moshe Rabbeinu, à la vache à l'homme, il a cru que c'est le moment. Et quand je vois, il dit à Moshe Rabbeinu, Moshe, t'as rien compris. Tu crois que si je t'ai envoyé pour libérer l'Israël,
tu vas libérer tout de suite. Alors, on a gagné quoi? Tu crois que les ministres, tu vas les libérer, mais tu crois qu'ils vont être... Alors, tout le travail de 400 ans, ça va tomber à l'eau. Tu crois qu'ils vont croire en moi? Ils vont croire que c'est tu es un magicien, comme que les Égyptiens, ils croient que tu es un magicien. Que par, avec la magie, tu les as libérés. Avec des forces, ils vont... Alors, c'est quoi le but? Le but, c'est qu'ils croient en moi. Le but, c'est qu'ils acceptent ma Torah. Le but, c'est... Mais pour qu'ils acceptent la Torah, il faut du temps. Est-ce un bébé, il va naître comme un homme? Il naît comme un petit bébé, au fur et à mesure, il grandit, il commence à apprendre, après, il fait travailler son intelligence, jusqu'à qu'il devient, au fur et à mesure, il devient mineur, adulte, jusqu'à qu'il devient un être humain normal. Il faut, le cerveau, il est petit, le cerveau. Hachem dit à Moshe Rabbeinu, mais ils sont esclaves, les Juifs. Dans leur tête, Paro, c'est le Dieu. Ils voient chaque fois que Paro descend à la mer, elle monte vers lui. Il voit que l'eau il fait qu'un vaud à Paro. L'eau du Nil, il fait qu'un vaud à Paro. Ils croient que, même que Paro, il les fait souffrir, mais ils croient encore en lui. C'est pour ancrer la Emouna dans leur cœur, il faut du temps. Comme ce bébé-là, il ne va pas naître en train de parler, ça prend du temps, il faut qu'il apprend doucement. Il apprend. Même le bébé, lorsqu'il va naître, il ne connaît pas son père et sa mère, ça prend du temps pour qu'il les connaisse. Au fur et à mesure du temps que le bébé il voit que c'est sa mère qui s'occupe de lui, il aime sa mère, il aime son père. C'est pas comme ça. Deux personnes qui font la boxe, et un tout de suite, deux forts, qu'il faut la boxe, et un il gagne l'autre. Qu'est-ce qu'on dit? Bah, l'autre aussi il est fort, bah, mais il a reçu un coup, l'autre était plus rapide que lui, il a fait un knockout avant. Mais si les deux se disputent, et presque on voit leur force à égalité, et vraiment, ils se disputent, un round, deux rounds, trois rounds, jusqu'à la fin, vraiment, on voit que un qui est toujours imbattable, toujours, il ne se fatigue jamais, alors que l'autre, après 15 rounds, il se fatigue, il tombe. Là, on dit, ben, l'autre, il est mille fois plus fort que lui. Même la fatigue, on la voit pas sur son visage. Alors, quand je vais au cours, c'est ce qu'il a dit à Moshe Rabbeinu. Quand je vais dire à Moshe Rabbeinu, Moshe, mais tout le monde, il croit que Paro, c'est un dieu, même les juifs. Donc, il faut du temps. Il faut, mettons, on va lui donner un petit coup, lui aussi, on va lui montrer des miracles, et aussi Zama qui va, il va imiter les miracles qu'on fait, après on va lui donner un coup, après lui, il va essayer de minimiser le coup, en montrant aussi des miracles, et à la fin, je vais lui donner un coup plus dur, et après plus dur, jusqu'à la fin, il va recevoir un coup décisif, et qui va dire qu'il n'y a que Dieu. Et d'ailleurs, vers la fin de tous les coups, il y a quelques coups qu'il a reçus, bah, c'était décisif pour lui. Et surtout, lorsque les ministres ont fait le sacrifice pascal en Égypte, en tuant les animaux que les Égyptiens n'ont pas le droit de manger, alors là, après ils ont fait la grillade de l'en manger, là, ça, le bon Dieu a montré son pouvoir, que les Égyptiens ne pouvaient rien faire. Et lorsqu'il y a eu le dernier coup, les premiers-nés qui sont morts, là, Paro l'a vu, la grandeur de Dieu. Et surtout, dans la traversée de la mer, là, Paro a dit, « Mikamucha balim, je viens que toi, quand je vois au coup. » Alors, Hachem dit à Moshe Rabbeinu, si moi, je fais une guerre, et je donne un coup, et j'élimine Paro, qu'est-ce qu'ils vont dire les gens? Ils vont dire les gens, « Ah, top !» Ils vont dire les gens, « Bah, quand je vois au coup, il est venu d'un improviste chez Paro, mais Paro est toujours fort. Le pauvre Paro. Mais Akash Baruchou, il a montré au monde entier que Paro, il est nul. Il y a des choses que seulement Hachem sait. L'être humain ne peut pas comprendre les pensées de Akash Baruchou. Tzitkatra ke'ar'el, mishpatecha te'om rabba. Les choses de Akash Baruchou, personne ne peut réussir à arriver à la profondeur de la pensée de Akash Baruchou. Je voudrais vous dire quelque chose. Regarde,
La Gemara, elle raconte une histoire sur Titus. Une super histoire. La Gemara raconte que Titus, lui, lorsqu'il voit qu'il est détruit le Beth Amikdash, il était sur le chemin de retour pour aller au Rome, dans la mer. Il y avait une tempête de mer. Et qu'est-ce qu'il dit, Titus ? Il dit, ah, je comprends. Le bon Dieu, le Dieu des Juifs, sa force, elle est dans la mer, dans l'eau. C'est ce qu'il a fait à Sisra. Il a fait noyer Sisra. Il a fait noyer Paro. Tous ses ennemis, il les fait noyer. Sa force, elle est dans la mer. Et moi aussi, il veut me faire noyer dans la mer. Alors, si toi, je dis fort, viens au large, on se dispute. Mais à boule, quand je vois au coup, il y a une voix du ciel qui sort, qui dit, espèce de fou, Titus. J'ai une petite créature dans mon monde qui s'appelle une petite moustique. Bon, une fois que tu te sois au large, je vais te l'envoyer, tu vas te disputer avec elle, on va voir qui va gagner. C'est même pas moi qui va m'occuper de toi, je vais t'envoyer une moustique. Et dans la Gemara, Guitien leur raconte que ce qui est arrivé au large, il voit une moustique, elle arrive. Il s'est rappelé ce qu'il a entendu. Il commençait à se disputer avec cette moustique. Mais cette moustique était très rapide. Elle l'a rendu fou, cette moustique. Elle tournait dans tous les sens. Et à la fin, elle est rentrée dans son nez. Elle est montée jusqu'au cerveau. Elle est restée là-bas quelques mois, jusqu'à ce qu'elle lui a mangé tout le cerveau de Titus. La grand-mère raconte que Titus, il est mort, puisqu'il se plaignait tout le temps de la tête. Ils lui ont ouvert la tête et ils ont trouvé une grosse moustique. Une moustique qui était aussi grande que le cerveau, puisqu'il lui a mangé tout le cerveau. N'oubliez pas, mes amis, que Hachem, il sait ce qu'il fait. Regardez, les Bnei Israël en Égypte, ils avaient l'émouna en Dieu. Mais d'autre côté, ils étaient idolâtres aussi. Ils croyaient dans les forces de Pharaon. Mais ce qui a sauvé les Juifs en Égypte, c'est parce qu'ils ont respecté Nida, ils ont respecté leur nom, leurs vêtements, leur langue. Ils croyaient en Dieu, mais ils croyaient aussi en Pharaon, comme des gens aujourd'hui qui croient en Dieu, mais ils font des bêtises. Je voudrais vous dire simplement une chose. Il y avait quelque chose d'extraordinaire qui s'est passé cette semaine. Il y a une histoire ici à Miami qui circule. Une femme qu'elle n'arrivait pas à tomber enceinte à l'âge de 50 ans. Grâce à Dieu, Baruch Hashem, elle a reçu pendant 20 ans, elle reçoit des brachot et aucune bracha n'est montée au ciel. Et à la fin, grâce à Dieu, elle est tombée enceinte. Et elle est enceinte de deux jumeaux. Il y a eu un qui l'a entendu, il n'arrivait pas à croire que jusqu'à ce qu'on lui a emmené la femme. Lorsqu'il a vu la femme qu'elle avait 50 ans et qu'il lui a montré qu'elle est enceinte de deux mois, il lui a montré les papiers que les médecins lui ont dit qu'il ne pouvait pas tomber enceinte. Là, il a commencé à croire. Il y a des choses, malheureusement, pourquoi ? Nous, par exemple, moi, même si on me raconte, même si on me dit qu'elle est enceinte de 20 enfants, je vais croire. Parce que je suis croyant. Mais malheureusement, il y a d'autres personnes qui sont croyants, mais malheureusement, leur tête est aussi dans autre chose. Alors, pour que leur tête soit rien qu'avec Dieu, mais pas sur autre chose, il faut du travail. Dans Akash Baruchou, il voulait que les Bnei Israël, même qu'ils croient en lui, la preuve, ils ont prié à Hachem, mais ils ont prié à Akash Baruchou, et Akash Baruchou a écouté leur prière. C'est super, c'est formidable. Ils étaient croyants, ils savent qu'il n'y a que Hachem, ils savent. Et surtout, leur femme, ils étaient derrière eux. Mais d'autre côté, ils voyaient les forces de Paro, que Paro, il se comportait comme un dieu, il s'appelait Dieu. Donc ils voyaient les miracles qu'ils faisaient, donc quelque part ils étaient un peu dans le doute. Donc Hachem dit à Moshe Rabbeinu, Moshe, si je frappe Paro et je libère les Israël vont quitter l'Égypte avec l'idée que Paro c'est un dieu. Mais il faut que je le frappe, petit à petit, il faut qu'il reçoive des cours, léat, il faut qu'en même temps les Juifs, ils vont apprendre à croire en moi. Et là après, ils vont quitter l'Égypte, mais pas tout de suite.
Mes amis, Pharaon même, il croyait qu'il était un dieu. Alors comment tu vas, comment voulez-vous que Moshe Rabbeinu lui ait dit non, tu n'es pas un dieu. C'est dur pour Pharaon. Lui-même, il s'est habitué parce qu'il voit qu'il y a des forces qu'il ne comprend pas en lui. Il arrive au Nil, le Nil, il vient vers lui. Alors, c'est des choses qui. Alors, d'un côté, il se voit faible devant Moshe Rabbeinu. Il est faible devant le Dieu des bénis d'Israël, mais d'autre côté, il se voit qu'il a encore des forces. Donc, c'est important pour Hachem de lui enlever cette idée à Pharaon. Et même admettant, si le Nil ne monte plus vers Pharaon, et même si Hachem lui enlève toutes les forces de sorcellerie qu'il a Pharaon, malgré tout, Pharaon, il peut dire peut-être c'est de passage ce qui arrive maintenant. Mais après, je vais récupérer toutes mes forces. Donc, c'est important pour Akash Baoukou de frapper, déjà, de donner à Pharaon l'idée qu'il est fort. Il voit Moshe qui vient pour libérer les fils d'Israël. Et Pharaon, il sent qu'il a des forces plus qu'il avait avant. Donc, il va croire que Moshe, il est nul. Il est trop faible pour lui, pour qu'il prenne de l'importance et d'assurance. Et c'est comme ça que le bon Dieu va le faire tomber. Ça, c'était l'idée d'Hachem. Chose que Moshe Rabbeinu ne pouvait pas comprendre. Mes amis, vous savez, il y a quelqu'un qui m'a prêté sa maison pour quelques jours. Une super maison. Super maison. Vraiment, le paradis. Il était tellement content qu'il a entendu que j'ai accepté que j'allais rentrer chez lui à la maison. Pour moi et ma famille, pour passer Shabbat. Il était super content, très content, très content. Alors je suis arrivé là-bas, j'ai trouvé des photos très sales, très très sales, des posters dans la maison, pas le choix là, mais j'étais en train, tout de suite j'ai commencé à couvrir, bon, j'ai appelé des gens, parce que j'avais pas le choix, je pouvais pas aller nulle part, parce que on était un quart avant Shabbat, c'était loin, donc je pouvais rien faire. Comment ce monsieur-là n'a pas compris que moi je suis un raf. Comment il a laissé ces photos-là dans la maison? Même Lavan, qui était rachat et qui était Oved Abodaz, qui était idolâtre, lorsqu'il est Ezer, le servant d'Abraham, il est venu chez lui, il a enlevé l'Abodazara de la maison. Et celui-là qui est croyant, qui croit beaucoup en Dieu, ce qui m'a invité, ce qui m'a donné chez la maison, qui coûte, je sais pas, 10 millions de dollars, il a laissé tout ça à la maison. C'est quoi ça? Mes amis, Lavan, on l'appelle le malin. Il était malin. Il était malin. Il sait que ses péchés de faire, il fait. Mais ce juif-là n'est pas malin. Parce qu'il savait que ses péchés d'avoir ses photos, ben ils auraient enlevé avant que je sois arrivé. Il est super. Mais il ne connaît pas. Donc je lui ai parlé. Que ses péchés, tout ça, c'est pas bien. Il y a la mezouza, c'est pas compatible. C'est une contradiction d'avoir ça et d'avoir la mezouza. C'est vrai, vous avez raison. J'ai pas pensé à ça. Il me dit, ah ben oui, ça coûte cher, mais je vais les enlever. Je vais voir ce que je vais faire. Entre temps, je vais cacher à la cave. C'est au moins, mettons qu'il sait, il sait. C'est important pour Akadosh Baruch Hu qu'on éduque les juifs. Qu'on leur apprend qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui n'est pas bien. C'est la raison pourquoi quand je crois qu'il était important pour lui d'éduquer les fils d'Israël en Égypte avant qu'il quitte l'Égypte. Il a montré aux Juifs en Égypte qui était Akadosh Baruch Hu et de quoi il est capable de faire, que c'est lui le bon Dieu. Une fois qu'ils ont appris, puis ok, il y a Hachem, une fois qu'ils ont appris qu'il y a Hachem, alors et là, ils sont prêts à aller derrière lui pour recevoir la Torah. Parce que, quelque part, ils ne connaissaient pas Hachem. Ils connaissaient Hachem que. Il n'avait pas le temps. Vous savez ce qu'il dit, Ibn Ezra. Ibn Ezra, il dit que c'est dur d'être un esclave. Parce qu'un esclave, il oublie la notion d'être humain.
il ne peut pas s'exprimer, il ne peut pas dire ce qu'il pense, il ne peut pas dire ce qu'il veut faire, parce qu'il a un patron. Donc les ministres en Égypte, c'était pareil. C'était pas possible de leur enlever l'idée qu'ils vont être libres demain. Donc, il fallait du temps. Si Moshe, Hachem dit à Moshe Rabbeinu, si Moshe, je les libère tout de suite, ils vont toujours croire, je vais les libérer de l'Égypte, mais ils vont rester esclaves à Pharaon dans leur tête. Dans leur tête, toujours, ils vont vénérer Pharaon. Alors, j'ai gagné quoi? Si je les libère, c'est je les libère et de Pharaon, de l'Égypte, de leur esclavage, et de leur donner une liberté totale. Avec la Torah, on est libre. Avec la Torah, on n'est pas libre de nos instincts. On n'est pas esclave de nos instincts. On est libre de notre Sahara. Donc, il faut du temps. Au départ, c'était dur pour lui d'accepter ce temps-là que Hachem. Mais après, Moshe Rabbeinu a compris que Hachem a raison. Et après, Moshe Rabbeinu, il est rentré dans le coup avec HaKadosh Baruch Hu. Il a compris HaKadosh Baruch Hu. Et il a compris que Hachem a raison. C'est la raison pourquoi HaKadosh Baruch Hu n'a pas puni Moshe Rabbeinu. Et c'est la raison pourquoi HaKadosh Baruch Hu il s'est dévoilé à Moshe Rabbeinu avec un nom très puissant. Pour le caveau de Dora Israël, pour l'honneur et la gloire d'Am Israël, HaKadosh Baruch Hu, il s'est dévoilé à Moshe Rabbeinu avec le nom miséricorde. Ça veut dire, quand je dis Moshe Rabbeinu, si je me suis dévoilé à toi avec le nom miséricorde, c'est que c'est la miséricorde que je cherche pour mon peuple. Pas la justice, pas la loi, pas la rigueur, c'est la miséricorde. Mais beaucoup des fois, une miséricorde, elle vient jusqu'à ce que tu traverses une rigueur. Après la rigueur, il y a la miséricorde. C'est mieux que la rigueur après la miséricorde. Que qu'il y ait la miséricorde après il y a la rigueur. Parce que lorsqu'il y a la rigueur et la miséricorde, ça veut dire que la rigueur elle est limitée. Mais lorsque la miséricorde elle est la rigueur et après la miséricorde, ça veut dire peut-être la rigueur et le risque elle va être illimitée. Et c'est ça la grandeur des Avot HaKadoshim. Les Avot HaKadoshim, HaKadosh Baruch Hu, il ne s'est pas dévoilé à eux avec le nom miséricorde. Ben c'était leur pouvoir, leur koah, leur force, qu'ils ont accepté d'Hachem tout. Ça fait aujourd'hui, j'ai rencontré quelqu'un qui vient avec sa femme me voir. Il m'a dit que l'année dernière, ils étaient dans le Creuse, ce fameux bateau-là qui a coulé au large d'Italie, où il y a eu 32 morts. Il me dit, par miséricorde, par miracle, j'ai échappé à la mort. Il m'a dit, il y avait là-bas presque 4000 personnes dans le bateau, comme une ville aussi grande que la ville. Et je lui dis, où tu étais lorsque le bateau il a heurté le rocher? Il a dit, j'étais dans la salle à manger. J'ai dit, tu mangeais? Il me dit, oui. J'ai dit, tu manges kasher? Il me dit, non. Je mange à la maison cachère, mais pas dehors. J'ai dit, alors quoi, tu es juif à la maison et tu n'es pas juif dehors? Pourquoi? Et c'est ta femme à la maison et n'est pas ta femme dehors? Ce que tu aimes à la maison, tu dois l'aimer dehors aussi. J'ai dit, tu vois pas que c'est un message que le bon Dieu t'a envoyé? Tu aurais pu mourir toi aussi avec ces 32 personnes-là. Parce que beaucoup des gens qui étaient avec toi, ils sont morts. Il m'a dit, c'est vrai. C'est, d'ailleurs, la plupart des morts, c'était là où je me trouvais, moi. J'ai dit, alors, le bon Dieu t'a dit, c'est en vie. Alors, au lieu que tu prends conscience de manger cachère, tu continues à manger ta ref. Il a commencé à pleurer. Je l'ai pris devant le Sephatora. Il a embrassé lui et sa femme. Et c'est extraordinaire. Il a accepté mes paroles. Tu aurais pu me dire, mais qu'est-ce que tu dis, qu'est-ce que tu racontes? C'est ça le juif. Le juif, si tu dis quelque chose de vrai, le réflexe, il vient tout de suite. Le réflexe. C'est extraordinaire. Vous savez, mes amis, je termine. Puisqu'on a commencé à parler sur Youssef, on termine de parler sur Youssef. Youssef, il a
rencontrer Binyamin, son frère, et les deux se conseillent à s'enlacer, à pleurer. Chacun pleurait sur les épaules de l'autre. Nos sages disent que Youssef, il pleurait sur l'épaule de Binyamin parce qu'il a vu que les deux Beth Amikdash qui étaient dans le territoire de Binyamin vont se détruire. Et Binyamin, il a pleuré sur l'épaule de Youssef parce qu'il a vu que le Mishkan Shiloh, que le Mishkan, le tabernacle, qui était dans le territoire de Youssef, il va se détruire. Et puis, j'ai entendu une belle question qui pose le Pnei Menachem. Il dit, mais en général, chacun devait pleurer sur le Beth Amikdash à lui qui va se détruire. Pourquoi chacun pleurait sur le Beth Amikdash de l'autre qui allait se détruire? C'est extraordinaire cette question. C'est-à-dire que Youssef, au lieu qu'il pleure sur le Beth Amikdash de Binyamin, pourquoi il n'a pas pleuré sur le Beth Amikdash à lui qui va se détruire, qui est dans son territoire? Pourquoi il pleure sur le Beth Amikdash de Binyamin et Binyamin aussi? Au lieu qu'il pleure sur le Beth Amikdash de Youssef, qui pleure sur ses deux propres Beth Amikdash? Et puis moi j'ai pensé, Baruch Hashem, c'est la réponse même qui donne de Pnei Menachem. Et moi, Baruch Hashem aussi, alors j'ai écouté cette question, j'ai pensé une belle réponse à vous dire. C'est ça la grandeur de Youssef et c'est ça la grandeur de Binyamin. Que chacun il était concerné que du malheur de l'autre. Il n'était pas concerné de leur propre malheur à eux. Youssef ne voyait pas le mal qui allait arriver à lui, il voyait que le mal qui allait arriver à l'autre. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Vous savez, un homme que jamais conteste les choses de HaKadosh Baruch Hu, il accepte les choses de HaKadosh Baruch Hu, jamais il pense aussi aux malheurs qui peuvent lui arriver. Il pense toujours aux malheurs qui peuvent arriver à l'autre. Et c'est ça qui le concerne. Lorsque Yaakov et Youssef se sont rencontrés, Youssef, il pleure. Yaakov, il ne pleure pas. Alors, je me suis posé une question, mais pourquoi Yaakov, il ne pleure pas sur le Beth Amikdash? Ils vont se détruire. Chez Binyamin, chez Youssef. Et en plus, on n'a pas vu les Shvatim, les Tzadikim, les 12 tribus, les 10 tribus. On n'a pas vu qu'eux, ils ont vu dans leur névoie, dans leur prophétie, que les Beth Amikdash qui vont être sur le territoire de Binyamin et le Beth Amikdash qui va être sur le territoire de Youssef, qui vont se détruire. Donc d'un côté, on ne voit pas Yaakov qui pleure, on ne voit pas les Shvatim qui pleurent. On voit que Yaakov et Youssef, il y a Youssef et Binyamin qui pleurent. Chacun voit l'autre. Mes amis, Yaakov Avinu jamais pleure pour les Beth Amikdash qui ont été détruits. Parce que Yaakov Avinu, il lance un message symbolique. Étudier la Torah elle construit. La Torah est construite. Étudiez la Torah. C'est tout. Ça, c'est le message. Ça, c'est le message. Et malheureusement, les Shvatim, ils étaient là pour écouter, pour apprendre. C'était dur pour eux de pleurer la destruction du temple parce que quelque part avec la haine qu'ils avaient contre Youssef HaTzadik, c'était grave puisqu'on connaît déjà ce qui a causé beaucoup de choses entre Youssef et ses frères. On ne va pas rentrer dans les détails. Alors eux, ils étaient déjà, c'était pas le moment que la Torah leur fait honte. Vermivinevin, celui qui veut comprendre, il comprend. Il y a des choses que c'est pas la peine qu'on les explique parce qu'on les connaît. Youssef et Binyamin, eux, ils étaient capables de pleurer les airs. Que chacun, ce qui les concernait, c'est le malheur de l'autre.
On a jamais vu Youssef qui déteste ses frères. Même les rêves qu'il a rêvés, c'était des rêves que Hachem a voulu que ce soit ces rêves-là. Mais lui, dans sa tête, jamais il les a détestés. Binyamin d'eux-mêmes. Donc eux, on a beaucoup à apprendre d'eux. Des Shvatim, des 10 tribus, on a à apprendre beaucoup de choses. Que même que tout ce qu'ils ont fait, c'est Hachem qui a voulu que ça se passe ainsi. Mais ils ont ajouté un peu. Ils ont fait un peu souffrir un peu plus, je ne sais pas, tzaddik. Chose qu'il ne fallait pas faire. Les enfants, chacun de vous, il doit savoir une chose. La réussite est entre nos mains. Si on veut réussir, jamais n'oublier que tout ce que Hachem il fait, il le fait que pour le bien. Il ne le fait pas pour le mal. Le mal, c'est nous qu'on le fait. C'est pas d'Hachem, il vient le mal. Première chose. Deuxième chose que chacun de nous doit savoir, c'est que on a beaucoup des fois, on a vu qu'un homme qui fait des chouva, il souffre après. Alors on va se dire, alors c'est mieux que je reste comme je suis. Alors j'ai commencé à faire des chouva, alors j'ai commencé à voir qu'il n'y a que Hachem, je commence à souffrir. C'est quoi ça? Eh bien, puisque tu poses cette question, alors, c'est que tu n'as pas compris c'est quoi la teshuva. La teshuva, c'est retour vers Hachem sans se poser des questions. Avant, tu ne t'es pas posé de questions, tu as fait ce que tu voulais. Alors maintenant, tu veux faire ce que Hachem veut. Alors, tu acceptes ce que Hachem veut. Allez, que le bon Dieu vous protège, jamais qu'il y ait de sens. Shalom.